Le Sénégal a décroché en février dernier la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, un trophée convoité pendant de longues années et qu'il faudra remettre en jeu dès le mois de juin prochain avec le début des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort des 12 groupes qualificatifs pour l'événement avait lieu ce mardi à Abidjan. Les Lions de la Teranga sont tombés dans le groupe L en compagnie des écureuils du Bénin, du Rwanda et du Mozambique. Les Ivoiriens ont eux hérité du groupe H. Les éléphants aborderont cette campagne qualificative détendue puisqu'ils sont d'ores et déjà assurés de participer à leur propre CAN. Face à eux, la révélation du dernier tournoi, les Comores, mais aussi et surtout la Zambie, 10 ans après la défaite en finale face au Chipolopolo d'Hervé Renard. Les Lions indomptables du Cameroun pourront préparer leur participation au Mondial Qatari avec des affrontements prévus face au modeste Kenya, Namibie et Burundi. Le Burkina Faso sera dans le groupe du Togo, la Guinée avec les vice-champions d'Afrique égyptiens, la RDC avec le Gabon, le Mali avec le Congo Brazza. Enfin l'Algérie, tombée de son trône au Cameroun, affrontera la Tanzanie ou le Niger.